Est-ce la famille, j'espère que vous allez bien en surdo aujourd'hui. 19e étape. Avant-dernière étape de montagne. Avant-dernière étape du tour. 149 km de la montagne. Donc clairement, je regarde vite fait demain. Clairement, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que Perrault montre que c'est un bonhomme et que le maillot à poids c'est pour lui. Et Bardet, on voit ce qu'on peut faire à la fin, mais ça pue la merde. En tout cas, on lance tout de suite, c'est parti. Bonjour à tous, c'est une étape nerveuse à laquelle nous devrions assister aujourd'hui. Avec moins de 150 km et 5 ascensions au programme, pour les audacieux, les occasions ne manqueront pas. Ouais, comme tu dis mon pote, les occasions ne vont pas manquer. Ça pue la merde aujourd'hui, ça pue la merde mais je le sens bien. Hier je le sentais pas bien, je sais pas pourquoi, hein. Aujourd'hui je le sens bien. En tout cas ça monte direct, hein. Oh là là, ça rigole pas, 12%, oh, ça rigole pas. Et je vais attaquer direct avec Perrault. Parce que là, franchement, si Perrault il passe les 4 premiers cols premiers, je pense qu'on aura fait un grand pas vers le maillot à poids. Il y a déjà un groupe Eto qui est formé. Ah non, quoique, non. C'est de la merde, non? Attendez. Ouais, maillot vert ne changera plus. Mais par contre, je comprends pas. Il n'y a que 10 coureurs là, avec le maillot... avec Froome. Putain, les mecs, genre, dès le début... Ouais, attention, ça a monté un peu et les mecs ils sont direct dit ouais non les mecs allez tous faire foutre, non on reste pas avec vous. De toute façon là ça va vite être ça, hein. On va vite voir mais très vite tous les mecs sprinters ou quoi ils pourront pas suivre. En tout cas Perrault, bien parti, 50 secondes d'avance, à lui de gérer. À lui de gérer, finir 4 fois premier, c'est parfait. Et à la fin, on verra avec Bardet. On verra si on peut faire quelque chose ou pas. En tout cas, c'est ça serait bien. Ça serait bien, ça remonterait un peu le moral des troupes, hein, parce qu'on a quand même perdu pas mal de place là au général. Donc ça serait bien de récupérer quelques minutes, secondes plutôt, secondes. Et surtout pas perdre cette quatrième place. Hein. Je sais pas, avec Pinot nous passe devant, c'est un peu la honte. Quoi. Allez, Perrault, bien parti, bien échappé, 2 minutes 16 d'avance sur le groupe de 90 coureurs quand même. Hein. Il y a quand même 90 coureurs, c'est pas rien. Attends, par contre, il parlait de... Oh non, il a dit complètement de la merde. Il a, à un moment donné, il a dit, ouais, Perrault Pinot est pas dans un bon jour, il se fait décramponner, rien du tout, mec. Il est toujours en groupe. Des mecs vénères. Mais je pense qu'il est pas en forme aujourd'hui. Hier, il a fait une belle course. Avec le contrôle à montre, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il soit au top. En tout cas, Perrault va prendre 10 points pour commencer. C'est un bon début, mais c'est surtout le hors catégorie qui m'intéresse. Et Ulissi qui attaque derrière. Lui, il va jouer la montagne aussi. En tout cas, voilà, 10 points. Ulissi va prendre 8 points, c'est une bonne nouvelle. Au moins, ça limite la casse pour les autres. Les autres, ils prendront pas de points. Donc, tant mieux pour nous. Ah ouais, mais là, ça va être horrible. Alors, toi, t'as pas l'air de rouler super vite non plus. Non, non, là, par contre, mec, je cherche même pas. Hein. Moi, je vais prendre les 6 points. Hein. Je cherche même pas à rigoler avec moi. Ah mais c'est le hors catégorie. Le hors catégorie, faut pas que je sois avec le peloton. Hein. Ah non, je vais. Franchement, va prendre les 6 points, m'en bats les couilles. Je crois que c'est 5 après. Non, c'est 4, putain. Ouais, ça fait 6 points en moins quand même. Et ce qui me fait peur, c'est le peloton derrière. Le peloton derrière, il y a une minute à peu près. Hein, donc c'est pas tant que ça. J'espère au moins les rattraper dans la descente. Et rouler avec eux après, ça me poserait pas de soucis. Mais là, c'est compliqué. Début d'étape compliqué. Hein. On va voir. Mais c'est pas... Je la voyais pas comme ça l'étape. Bizarrement, je la voyais un peu mieux là. Perrault, tu me fais un peu flipper. Tu me fais même beaucoup flipper. On va rouler quand même là. Je roule tranquille. Derrière, ils reviennent. Hein. En tout cas, voilà. On va prendre 4 points. On va s'en satisfaire. Ça fait 14 déjà. C'est bien. Bon, on a retrouvé Perrault. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a rattrapé le groupe devant. Donc, heureusement, parce que j'ai eu très peur à un moment donné. J'ai eu très peur qu'on les rattrape jamais, surtout. Et là, maintenant, je vais pouvoir jouer la montagne avec eux. Par contre, il y a du très, très vénère en grimpeur. Hein. Il y a Ellison, il y a Vandenberg, il y a Ulissi. Donc, franchement, il y a du point à prendre après. Hein. Le hors catégorie, je l'ai dans le coin de la tête. Hein.
Mais je l'ai pas oublié. Laissez-moi passer, les mecs. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Faut au moins que je sois devant Ellison. Sinon, c'est pas une bonne nouvelle, là. Oh là là, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Ah, l'enfoiré, Ulissi, quoi. Il va prendre les 5 points. Je vais en prendre même pas 3, peut-être. Hein. Si, je peux relancer, là. Heureusement que j'ai pris le petit ravitaillement. On va prendre 3 points. Là, franchement, je suis en train de me poser des questions. Je suis vraiment en train de me poser des questions par rapport au maillot à poids, là. Je me dis que... Alors, pas Ulissi, hein. Ulissi me fait pas peur. Mais Froome, s'il remporte l'étape, et s'il est hors catégorie, je mets pas au moins 20 points, il va pouvoir nous rattraper. Enfin bon, on n'y est pas encore. On va voir. On y arrive bientôt. Là, ça va monter vénère, en plus. Hein. On a encore 2 km, là, mon petit Perrault. C'est pas le moment de faire une petite défaillance. C'est le moment de tout donner, mon pote. C'est le moment de prendre, putain, au moins 16. Franchement, s'il te plaît. Hein. Au moins 16 points, là. Allez, allez, allez. Oh non, 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 non. C'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Ouais, oh là là, j'ai frôlé la défaillance. Alors, ce qui est bien, c'est que les mecs, ouais, eux, ils font... Ils sont pas en forme. Tant mieux, on va prendre 16 points. Mais j'aurais préféré 25. Ça fait quand même 9 en moins. Sauf si Ellison il craque, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il craque. Non, il craquera pas. Ulissi, il me casse un peu la tête là. Ulissi, il prend pas mal de points aujourd'hui. Alors je sais pas si on peut commencer à s'inquiéter, mais. Après, il avait 63 points avant l'étape. Il a pris quoi? Il a pris 10, il a pris 5, il va prendre 25, ça va faire déjà 40 points. Perrault va prendre 16 points donc. Ulissi a pris 25. Que quoi penser de cette course? Je pensais vraiment que ça allait être plus simple. Hein. Alors voilà, voilà, ça c'est une putain de nouvelle par contre. On a assez de points maintenant pour conserver ce petit maillot. Il nous en restera donc plus qu'une pour le conserver jusque sur les champs. Objectif, hein, quand même, numéro 1 de l'équipe maintenant. C'est vraiment numéro 1 de l'équipe. Par contre, aujourd'hui, je vous ai dit en début d'étape que je le sentais bien. Et je vais tenter un truc avec Bardet. Franchement, je vais tenter un truc avec Bardet, je pense. Allez, 4 minutes, 5 minutes d'avance, hein, ils sont quand même. Hein. Franchement, 5 minutes, ça peut tenir. Hein. C'est une belle avance. Bon après Perrault il gagnera pas. Vu de, enfin, de ce qu'on a vu là, il gagnera pas. Alors là j'attaque pour les rattraper avant la grosse descente qui arrive. Je vais les rattraper, c'est parfait. Et on va rester avec eux. Allez, il reste 8 km. Je crois que c'est Contador attaque. Pino aussi. Nibali aussi. Les mecs, elle est pour moi cette étape. Franchement, je vous le dis. Moi je le sens trop bien là. Elle est vraiment pour moi cette étape. Allez, on prend un peu le petit ravitaillement rouge. Contador, on est avec toi, mon pote. Et moi, je vais même relancer. Franchement, 8 km. Ouais, 8 km, c'est chaud quand même. Et devant, ils ont 2 minutes d'avance. Hein. Ça peut tenir. Hein. Ça peut vraiment tenir devant. Ouais, je vais tout mettre dès le début, moi. Je mets tout dès le début en attaque. Parce que là, on est bien parti quand même. On est plutôt bien parti. Ah, on retrouve, regardez. Il y a qui devant nous, là? Il y a du Perrault, il y a du... Je sais pas, c'est qui, ça? C'est qui, ces mecs? Petit boss, Perrault. J'aurais dit Taramae, Dumoulin et... Non, Vandenberg. Par contre, on roule très, très bien, là. Hein. On roule très, très bien. Alors, ils vont prendre ma roue, ça, je m'en barre. Suivez-moi, si vous voulez, les mecs. Moi aujourd'hui, je suis là pour une victoire d'étape devant ces Ulissi et Ellison. Faut pas qu'Ulissi finisse premier. On a combien d'avance là? On a 30 secondes. On est en train de faire une putain de course là. Alors, Contador attaque. 5 km. Alors, ça va être dur hein, parce que j'ai un rythme assez vénère hein, quand même. Mais j'aimerais bien les rattraper les deux devant là. Ils ont une 17 d'avance. Allez, mon petit Romain, franchement, tu peux faire un truc aujourd'hui. Ok,
4 km, je garde un petit peu. Hein. Franchement, je garde un petit peu. Contador attaque. Je vais commencer à ralentir quand même là. Wow, sauf si j'arrive avec eux, ça serait bien. Comme ça, je me repose un petit peu avec eux. Allez, s'il vous plaît, les mecs, laissez-moi rentrer dans votre groupe avant de mourir. Là. Voilà, je me repose un peu. Voilà. Fou là, oui, ça roule vraiment moins vite. Hein. Donc là, on va récupérer un peu d'endurance. On va récupérer la jauge d'attaque. On a une minute d'avance. Franchement, là, on est en train de faire un truc. Hein. Ricky porte Martin. Je vais les suivre, je vais les suivre. Ah, il reste 3 km. Je les suis, c'est mort. Alors même si... Oh, Quintana, mais t'es sérieux? Il fait quoi ici, le mec? Mais Quintana, c'est pas possible. C'est pas possible que tu roules aussi vite. Parce que moi, je suis au bout de ma vie, là. Valverde, on s'en fout de Valverde. C'est pas lui qui m'intéresse, là. Putain, From attaque. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Ulissi... si, je crois qu'il est devant. Hein. Faites voir. Ouais, il est... Putain, mais Ulissi aussi, là, il est monstrueux. Hein. Je vais rouler avec Elissonde. Il va me faire me reposer. Il y a 1 km, j'attaque pour finir avec Quintana. On va faire ça? Je pense que c'est une bonne idée. Par contre, on a quand même pris pas mal de temps. Hein. Enfin, pas mal. On a pris 30 secondes. 30 secondes. Alors, j'ai peut-être attaqué un peu trop tôt. Je sais pas. Mais à Quintana, je vais tout faire pour terminer devant lui, par contre. Hein. Je vais tout faire pour finir devant lui. Attention, quand même. Non, Quintana, toi tu dois pas prendre de points. Tu dois pas prendre de points, m'en bats les couilles, je te gêne. Oh là là, mais Fro, mais c'est pas possible. Ils sont cheatés ces mecs. Même Fro, faut pas qu'il finisse, faut que je finisse devant Fro. Faut que je finisse devant. Là c'est bien joué, Bardet. Franchement, Bardet là t'as géré pour Perrault, mec. C'est esprit d'équipe ça, putain. C'est esprit d'équipe, putain. Ah, parce qu'il faut pas qu'ils prennent de points, eux. Hein. Moi, j'ai pensé à tout ça aussi. Hein. En tout cas, barre des belles courses. Hein. Et pas... Ah, j'ai pas vu qui a fini premier. Est-ce que c'est Ulissi? Parce que là, attends, si Ulissi finit premier, il faut un sbeul monumental dans le classement hein, pour la montagne. En tout cas, on va voir ça tout de suite. Mais Bardet, t'as géré, mec. Pour Perrault, c'est bien joué. Premier rôle cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Et voilà, fin d'étape. Et quelle étape? Putain, c'est Martin qui gagne. Martin, tant mieux. Franchement, tant mieux. Ulissi, comme ça, il n'a pas pris trop de points. Là. Donc, Martin devant Ricky Porte et Ulissi à 10 secondes. Après, Ulissi, il aura fait une grosse course aujourd'hui. Quand même, il aura fait toute la course devant, quasiment. Bardet finit à 33 secondes. C'est dommage. On aurait pu gagner. Hein. Mais voilà, voilà, manque de forme un petit peu. Hein. Quintana finit donc 5e. Putain, il a même doublé From sur la fin. On prend quelques secondes sur Nibali, quelques secondes sur Pinot. Il est où, Contador? Ah, Contador, pas si bien que ça aujourd'hui. Hein. En tout cas, ouais, belle étape aujourd'hui. Est-ce qu'on gagne de... Non, on gagne pas de place. On récupère un petit peu de temps sur Contador. Contador qui perd sa place hein, au profit de Quintana. On récupère, merde, un petit peu de temps. Donc, sur Contador, on a moins de 30 secondes maintenant. Bon, on est très loin de Nibali, hein. On est à quasiment une minute, donc ça va être très dur, mais Quintana 30 secondes. Mais vu comment ils sont cheatés, j'y crois pas trop. Maillot à poids, putain, on a 30 points d'avance. Et c'est Ulissi en plus. Ah ouais, là franchement, on peut l'avoir ce maillot. Hein. Franchement, on peut l'avoir. Maillot à points. Pour le meilleur sprinter, ça ne change pas, à part From hein, qui prend des points, mais ce qui est normal. Ah, il a un point d'avance sur Dumoulin. Dumoulin, va falloir que tu travailles, mon pote. Hein, va falloir que tu le doubles sur ce mec. Hein. En tout cas, ouais, non. Que dire de cette étape? Franchement, j'avais très peur au début. Et au final, ça s'est quand même. Non, j'étais confiant au début. Et j'ai eu raison parce qu'on garde le maillot à poids. On fait un 5ème place. Non, une 4ème place avec Bardet. Plus qu'honorable. On finit avec From et Quintana. On gagne un peu de temps sur Contador et Nibali. Non, franchement. Et on gagne surtout du temps sur Pinot. Hein. J'ai pas oublié le petit Pinot derrière moi. Non, franchement, non, c'est une belle étape. Belle étape de Bardet. Rien à dire.
soutien niveau récupération. J'espère que ça va être bien aussi. Ouais, on récupère 4 barres avec Bardet. Par contre, oulala, j'ai vu Perrault, c'est pas le top. Hein. Aujourd'hui, demain, oh putain, il y a beaucoup de points demain. Oulolololo, il y a 25 plus 10 plus 10, 45 plus 2 plus 5. Il y a 50 points demain. 50 points, faut au moins prendre 20. Voilà, tu sais ce que t'as à faire demain, Perrault. En tout cas, sur ce, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Demain, Megève Morzine, dernière étape de montagne, dernière étape où va falloir garder le maillot. C'est tout, c'est tout. Il va falloir garder le maillot avec Perrault. On va tout faire pour, en tout cas. Et je vous dis à demain, la famille. Portez-vous bien. Ciao !